Voilà. C'est toujours comme ça. Ça passe et ça passe. Non, il faut pas la craindre, la douane elle est plutôt gentille. Les gendarmes ils sont gentils. C'est l'intérieur qui est méchant. À l'intérieur. Monsieur les cultivateurs. Monsieur les cultivateurs. Hein? Pourquoi? En fait, c'est de l'engrais organique pour cultiver les plantes de cannabis. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est pas prohibé, hein. On peut pas. Ah bon? Non, non. C'est de l'engrais, hein. Ça reste de l'engrais. Parce que bon, déjà, bon, la marque, et ensuite, on connaît les boutiques qui vendent ça sur le Pertus. Ça, c'est ce qui remplace le filtre à charbon, les filtres à charbon. Toutes sortes de produits différents. Ça, c'est les filtres. Alors, les filtres, c'est quoi? C'est des planteurs. Ouais, c'est des planteurs. C'est agriculteurs. On va dire ça comme ça. Hein? On va dire ça comme ça. Ouais. C'est mimé. Je vois bien, ouais. Et les graines, au fond des graines. Elles sont là, elles sont là. Elles sont là. Vous les sortez là? Ouais. Ouais, elles sont là. Tu vois? Et ils nous ont offert froid. Froid? Ouais. C'est des graines de cannabis pour faire une plantation. Vous avez pris ça là. Au Pertus? Là, c'est au cœur. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un gel pour que ça soit de l'air frais. C'est beau? Pour que ça sente l'air frais. Ça remplace le filtre à charbon. D'accord. C'est nouveau, je ne connaissais pas. Non. Pour masquer les odeurs? C'est un réflecteur. Alors il y a l'attirail complet pour monter l'usine à cannabis. Unité compacte, on a mis l'alimentation de lampes à décharge. Ça c'est pour, ouais, ça va avec les lampes, il faut l'éclairage et tout. Quoi. Toulouse ? Vous êtes des pros, hein ? Vous êtes des pros ! Allez ! J'ai une variété LSD, la Skunk LSD, Amnesia Lemon. C'est une hybride, un mélange, un croisement. Et vous avez celui-là aussi. 8 Ball Kush aussi, c'est un hybride aussi. C'est un croisement, c'est la même chose. C'est que des croisements. C'est l'hypocrisie qui existe en France un peu. Voilà. C'est pas une infraction d'acheter des graines. Par contre, c'est une infraction d'en faire une plantation et de récolter. Voilà. Voilà, maintenant, nous, on est là pour appliquer la loi. Il n'y a pas d'infraction pour nous. Mais on constate juste que dans la loi française, il y a des failles. Et voilà. On sait très bien qu'ils vont planter du cannabis, qu'ils vont revendre hein, quand même, parce qu'il y a du matériel pour faire une belle plantation. Hein. C'est bon. Mais bon, on ne peut rien faire, voilà. C'est comme ça, la loi c'est comme ça. Voilà. On fait avec. Comment? 15 euros un sachet. Un sachet, maintenant ça dépend. Par exemple, la LSD, elle est à 40 euros. Ça dépend si c'est sativa ou indica. Pour moi, la culture de la tomate, non, ça vous dit rien. Si. On va goûter le reste. Bon, bah allez. Bah, au courant, plus ou moins, non. Ouais. Je m'en promène pas tout le temps, mais après, voilà, il y a un contrôle, il y a un contrôle. Hein. C'est pris, c'est pris, c'est pas pris, c'est pas pris. Comment, pardon? C'est pris, c'est pris, c'est pas pris, c'est pas pris. Mmh. On reste tolérant et ça passe, hein, ou ça passe pas. Ça marche. Ok. Voilà, c'est toujours comme ça. Ça passe et ça passe. Non, il faut pas la craindre, la douane elle est plutôt gentille. Les gendarmes ils sont gentils. C'est l'intérieur qui est méchant. À l'intérieur.